J'avais envie de parler quand même de votre initiative parce que je trouve ça vraiment très sympathique. Merci. Racontez un petit peu. On a eu l'idée le samedi dimanche, d'après avoir parlé avec les jeunes hommes quand ils ont expliqué que tout va se changer, qu'on ne pourrait plus sortir de la place. Et puis ils ont dit que ils sont à deux, samedi dimanche. Mais ils ne savent même pas si le patron leur va payer cette initiative qu'ils ont fait, eux. Parce que normalement, c'était chacun son tour. Voilà. Alors, on a pensé de leur faire un petit bien. Et tout le monde vous a dit oui ? Oui. Ça, c'est super. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Par contre, les gens qui sont partis, vous leur avez parlé, vous savez, à votre avis, comment ça va se passer sur la route, là, parce qu'ils sont partis chez eux, dans leur pays ? On n'a pas de contact avec eux. Ça, vraiment... Kennst du jemanden jetzt, der gefahren ist, wo man Kontakt hat? Hier, ihr bekommt Bescheid, ne, richtig? Ja, ich weiß. Il y a quelques gens qui vont avoir par téléphone comment ça s'est passé jusqu'à oui. la frontière et tout ça. Nous, pour l'instant, personne. Mais les voisins là de Hambourg, ils vont entendre. Oui, parce que l'Espagne est bloquée là. Normalement, on est bloqué, hein, nous, hein, en Espagne. Hein. Mais bloqué, donc l'Espagne a fermé complètement. Ah, complètement, normalement. Hein. Vous avez vu, même les militaires et tout organisent des lits de secours, des choses comme ça. Bon, on va voir. J'ai pas regardé les informations ce matin. Donc la dame, l'argent, la collecte qu'elle fait, c'est pour le monsieur qui est derrière. Donc juste derrière la dame, c'est donc Alfonso. C'est lui qui nous chouchoute quotidiennement, qui court dans tous les sens pour tenter de faire au mieux, parce que c'est pas ouais. facile. Parce que je reconnais que tout le monde n'est pas sympa avec lui, tout le monde essaie de l'activer dans tous les sens, le pauvre... Hier, il m'a dit que ce qu'ils font, c'est très important, parce que nous, on est dans un âge où c'est beaucoup plus probable et oui. beaucoup plus de problèmes on aura oui. si jamais le virus nous touche. Nous attaque, hein. Vous allez rester là ? Oui, pour l'instant, on pense que oui. Oui, hein. Il vaut mieux, je pense. Hein. Je pense qu'il faut être raisonnable. Hein. Oui. Oui, hein, c'est mieux. Hein. Oui. Ok. Merci. À tout à l'heure, madame. Tout le monde, bien sûr, est après lui parce qu'il est le lien avec l'extérieur. Donc, il y a Alfonso et il y a Tony. Donc, Magali a même mis dans un joli petit sac parce que maintenant, je sais son prénom. Magali. Os queremos dar la gracia a vosotros dos bon, de que hacéis tantas cosas para nosotros. Sí, bueno, hemos hecho una colecta, habéis tenido también gastos y todo más de la cuenta y os preocupáis de nosotros, chose que la es una cosa bonita. Et tous les gens vosotros, donnés pour Alfonso. Se lo das a Tony, lo repartís y muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesitéis, nosotros vamos a estar aquí. Justo. Y cualquier cosa que necesitéis. Sí. Pues. Luego paso a pedirte. Creo que on a besoin. De toute façon, il reste là. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Y que pasemos pronto por esto. Sí, sí. ¿Eh? Seguro que salimos. Seguro. Sí, oui, vamos on va s'en sortir. Muchas gracias. Vale. Gracias a tous. Bonjour le chéri. Bonjour la chérie. La plage, un camping, ça paraît classique pourtant. La situation est plus qu'exceptionnelle. Comme tu le vois, il y a des gens qui se regroupent, il y a des pensées, il y a une humanité. On est tous dans la même situation, on est tous confinés. Alors moi, ça se passe dans un camping. Il y a une petite organisation qui se crée, brinque-ballante, normale. Bah oui, c'était pas prévu. Alfonso, Tony font au mieux. Les gens, comme moi, font au mieux aussi. Il y a des gens qui ont pris, je sais pas, un coup d'angoisse ou je sais pas quoi. Ils ont voulu absolument vite, pardon, c'est le téléphone, rentrer dans leur pays, rentrer chez eux. Ça sera mieux chez eux, tout ira mieux chez eux. Je comprends, hein. Je comprends très bien.
Seulement, ils vont rencontrer les militaires, ils vont rencontrer la police. Ce n'est pas qu'ils sont à craindre, ces gens-là. C'est que ces personnes essaient de minimiser, la contamination. Ils ne sont pas là pour nous punir, ils sont là pour nous protéger, pour protéger les autres. Et c'est vrai que je me demande comment ça va se passer sur la route pour traverser la France, traverser l'Espagne, traverser l'Allemagne, traverser la Suisse, peu importe, quel que soit le pays. Nous sommes tous dans la même situation. Et les frontières, fermées, pas fermées, pour qui, comment? Les gens vont arriver aux frontières, ils ne vont pas être seuls au monde. Combien d'heures vont-ils devoir attendre? Vont-ils réussir à traverser? Même s'ils réussissent à traverser, enfin, je trouve que c'est quand même une grosse, grosse prise de risque. Le virus est invisible, hein, donc même si tu restes confiné dans ton camping-car, même si tu roules comme un fou furieux, alors déjà tu te mets en danger, tu mets en danger les autres si tu roules pendant des heures et des heures. Enfin, je trouve ça un petit peu dommage. Je trouve ça un petit peu dommage, mais chacun réagit comme il peut. Surtout comme il peut. C'est pas facile. Quelle est la bonne attitude? Je n'en sais rien. Moi, j'ai fait le choix de rester dans le camping. Je limite le nombre de, on va dire, de contacts, puisque maintenant nous sommes confinés au même nombre de maisons à roulettes. On a deux, trois personnes qui viennent en camping du personnel. Donc Alfonso, Tony et une dame qui fait le ménage. Nous ne pouvons pas sortir du camping puis revenir. C'est-à-dire que si nous prenons la décision de partir, nous ne pourrons pas revenir dans le camping. Ce qui semble assez logique. Voilà. Donc la situation est ainsi. Alors je suis au bord de la plage, il y a la mer, mais le soleil n'a pas voulu jouer le jeu pour cette semaine. Il y a beaucoup de vent. C'est quand même mieux que d'être enfermé dans un appartement, d'être complètement confiné, etc. Et moi, je te raconte moi, moi, moi. Je ne peux pas raconter autre chose parce que je ne sais pas comment toi tu vis. Qu'est-ce que toi, il se passe dans ta vie? Est-ce que tu es en appartement? Est-ce que tu es en maison? J'aimerais vraiment qu'on fasse quelque chose d'exceptionnel puisqu'on est dans une situation tous exceptionnelle. J'aimerais qu'on partage, j'aimerais qu'on échange. Je suis sûre, certaine par contre, que ça nous fera du bien à tous. Alors toi qui es enfermé dans n'importe quel pays, moi je m'en fiche, raconte, raconte-moi, raconte-nous. Comment? Tu écris sur l'adresse mail Ambre écrit ça, qui est dans le descriptif. Ambre écrit ça. Je la remets en évidence si tu veux pour écrire. Envoie des photos, envoie une vidéo, écris, raconte des histoires rigolotes, une histoire pas rigolote, comment ça se passe? Tu es confiné comment? Avec des enfants, avec des personnes âgées, toutes seules. Il y a une chose importante aussi que j'aimerais quand même mettre en avant, et on en parle un petit peu dans les informations, mais pas assez, ce sont les animaux. Alors, j'ai un chat, certes, c'est un peu plus facile, elle peut rester enfermée. Mais toi, qui as un chien, ou peut-être des chiens, comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à lui faire faire sa promenade? Est-ce que tu arrives à ne pas le laisser enfermé toute la journée? Est-ce que tu arrives à lui apporter un minimum de bien-être? J'ai vu qu'il y avait des gens qui abandonnaient carrément leurs animaux. Je trouve ça atroce. Atroce, ignoble, mais vraiment inhumain, quoi. C'est bon, enfin bref, j'arrêterai parce que tellement je trouve ça bon, ignoble. Mais toi, raconte comment se passe ton confinement. Est-ce que tu parviens à faire un petit peu de course? Est-ce que tu es allé travailler? Est-ce que tu travailles de chez toi? Est-ce que tu ne travailles pas du tout? Est-ce que, je sais pas, tu passes ta journée devant l'ordinateur, devant la télé? Est-ce que tu te dis, allez, je prends un peu de recul, je vais en profiter pour faire peut-être, je sais pas. Je rigolais à moitié hein, l'autre jour en disant de faire de la peinture, de dessiner. Bon, je parle de ça, ce que j'aime bien. Mais tu peux te mettre à YouTube, pourquoi pas faire des vidéos depuis chez toi.
etc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Profiter de ce moment. Oui, angoissant. Oui. Mais il va falloir le prendre avec un minimum de recul, un minimum de zen attitude, parce que sinon on va se faire un ulcère, on va se faire un trou dans l'estomac. Alors je t'en prie, partage, partage, partage. Je prendrai le temps de lire chacun de vos témoignages. Je mettrai les photos en ligne, je mettrai vos vidéos en ligne. Je ferai une, deux, trois vidéos, mais vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Encore une fois, là, c'est une certitude de ma part. Je sais que ça nous fera du bien à tous. On se sentira moins seul. Si tu veux me chanter une chanson, tu sais, les Italiens, ils se sont mis au balcon, ils chantent, etc. Mais chante une chanson. Chante-nous une chanson. Faux, pas faux, on s'en fout. Tu veux nous réciter un vers, des vers, etc. Mais fais-le. Mais partage. Partage ce moment plus que particulier. Prends des photos de ton chien. Fais-nous voir ton chien, dis-nous comment il s'appelle, comment ça se passe pour lui pendant le confinement. Tu as un chat, des chats, ou un lapin, ou une tortue. Mais prends des photos, parle-nous de ton animal, de tes animaux. Fais-nous voir comment ça se passe aussi pour eux. Parce que pour eux aussi, c'est pas rigolo, hein. C'est vraiment pas rigolo du tout non plus. Alors, ça serait sympa, je pense que ça serait une énergie très sympathique pour nous tous de faire ça. Donc je te le redis, des photos, vidéos, des écrits. Alors que tu écrives avec ou sans des fautes, moi je m'en fous. Tant que j'arrive à lire, c'est l'essentiel. Hein. La prose, moi je ne suis pas prof de français, hein. On est bien d'accord. Même si c'est une liste de choses, eh ben fais une liste. Prends des photos de ton chat, de ton chien, de ton raton laveur, de ton lapin. Dis-nous comment il s'appelle, comment ça se passe à la maison pendant le confinement. Allez, dis-nous tout ça. J'attends tous vos mails à tous, tous, tous que j'aime profondément. Je veux vraiment du fond du cœur qu'il ne vous arrive rien. Je veux du fond du cœur que vous en sortiez bien. En bonne santé, que toute votre famille, tous vos proches soient en bonne santé. Je vous le souhaite du fond du cœur. Je vous embrasse. J'attends vos mails, j'attends vos témoignages. Salut!